avoka nanga Yesu yoneyo lela kanga ofana. Il y a un monsieur, il y a un bien-aimé, hein, je l'appelle bien-aimé parce que c'est un bien-aimé du Congo, hein, c'est un Congolais comme nous. Alors, ce pasteur, il prêche la parole de Dieu au Congo, beaucoup le connaissent, mais malheureusement, il y a eu en fait un élément qui a été balancé. Cet élément, le monsieur, je l'appelle le monsieur, c'est par rapport à l'évangile, le monsieur en fait a forcé le peuple de Dieu à donner de l'offrande jusqu'à ce qu'il est parti dire à ses bien-aimés que si tu ne donnes pas l'offrande, si tu ne respectes pas les trois principes de cette église, il est mieux que tu puisses partir à l'église catholique. Je t'ai étonné de voir qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent avoir cette audace. Je comprends que c'est parce que le peuple considère ces hommes-là comme de chefs coutumiers, vous voyez, comme des chefs coutumiers. Donc, du coup, le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il commence à prendre des offrandes, en fait, dans l'image, hein, si vous regardez l'image. Donc, il était en train de prendre les offrandes, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à dire, vous tous qui êtes venus devant pour donner les offrandes, alors que vous allez donner ces offrandes, il faut comprendre qu'il y a trois principes dans cette église. La première principe, d'abord, tu dois suivre les enseignements de cette église. La deuxième, tu dois aimer la prière. Et la troisième, il faut toujours, à chaque fois, donner les offrandes. Donc, il faut donner les offrandes comme tu n'as jamais donné. Si tu ne respectes pas ces trois principes, ta place n'est pas ici dans cette église. Bon, nous sommes en train de dire ces choses parce que ce sont des choses qui passent dans des réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup qui nous disent, mais pourquoi tu balances ça? Mais il faut comprendre que nous sommes dans un monde de 4G. Si tu fais quelque chose dans un coin quelconque, on va te filmer, on les montre. C'est pour cela, nous, quand nous parlons, nous savons très bien qu'il y a des caméras. Je veux dire ce que la Bible dit. Je ne vais pas venir changer après. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont dit quelque chose aujourd'hui, après demain, ils viennent changer. Non. Quand on passe devant des médias comme ça en public, sois sûr que ce que tu es en train de donner, c'est vraiment la parole. Ne viens pas demain, je n'aimerais pas. Ok, c'est une bonne qualité quand même. C'est une très bonne qualité de venir dire que je n'aimerais pas de ce que j'avais dit. C'est très bien. C'est une très bonne qualité. Mais fais attention de ne pas tout le temps te repentir. Sinon, on ne va plus croire à tout ce que tu présentes de peur que demain, tu viennes présenter encore autre chose. Vous voyez? Donc cet homme de Dieu, il a dit des bêtises dans les lieux publics. Mais là, je ne sais pas s'il viendra demain pour se repentir. Je ne sais pas s'il viendra encore pour se repentir. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter parce que nous aimons écouter ces gens. Quand ils présentent leurs bêtises comme ça, après ils vont dire, mes frères, pourquoi tu l'avais balancé? Mais pourquoi toi tu l'avais dit? Pourquoi moi je vais balancer? Mais pourquoi toi aussi tu as dit des faussetés comme ça? Et quand tu dis des choses en public comme ça, il faut t'attendre qu'il y aura des bien-aimés qui vont analyser ce que tu as dit. Ce n'est pas un péché d'analyser. La Bible dit, n'ayez pas foi à tout esprit, mais examinez. Ce n'est pas un péché d'examiner une prédication. Ce n'est pas un péché d'examiner une parole qu'un homme de Dieu ou une chanson. Ce n'est pas un péché. Une fois, je me rappelle, avant que je puisse balancer cet élément, je me rappelle une fois, nous avons balancé, j'ai bien dit nous, nous avons balancé une prédication. Dans la prédication, nous avons dit que Jésus-Christ était ressuscité le quatrième jour. Je vous dis, cela a suscité beaucoup de discussions. Même toi qui me regardes, tu n'étais pas content. Tu étais très mécontent et tu t'es exprimé. En tout cas, à cette époque-là, nous avons trouvé que vous aviez raison de vous exprimer. Mais il fallait comprendre la dimension dans laquelle nous étions. Parce que nous avons quatre langages. Nous avons quatre langages. Dans les quatre langages, nous avons très bien dit. Dans la doctrine noire sur blanc, Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour.
Il n'y a personne qui peut aller à l'encontre de cela, nous avions dit. Donc nous sommes revenus pour vous expliquer ce qu'on était en train de dire. Mais du moins, vous n'étiez pas contents. Même dans vos assemblées, vous avez prêché ça, soi-disant, des frères comme ça. Ils ont prêché ça, c'est faux, c'est de la fausseté. Vous avez insulté. Mais on n'est pas venu ici pour dire, mais pourquoi vous avez pris cette manière-là? Non. Nous, nous sommes prêts que les bien-aimés nous corrigent. Parce que c'est biblique, il faut examiner. Il faut examiner. Il faut Quand tu fais quelque chose en public, comment je veux venir de côté? Parce que tu l'as fait en public. Si c'était un partage, ça on comprend. Si c'était dans l'église, je vais te trouver directement. Mais toi, tu viens dans des réseaux sociaux. Donc, quand tu veux présenter quelque chose dans des réseaux sociaux, tu es sûr que tu as bien mangé et que tu es en train de défier tout le monde qui est derrière son smartphone, qu'il a la capacité, au fait, de ne pas briser ce que toi tu présentes. Alors, il faut être fort, bien-aimé. Ce n'est pas un péché d'examiner ce qu'un bien-aimé a dit. Mais par contre, ces messieurs du Congo, écoutez vous-même ce qu'il a dit, si c'est bon ou pas. Nous allons l'écouter. Il a dit trois principes. Si tu ne les respectes pas, va dans l'église catholique, ne viens pas dans notre église. C'est lui qui a dit, mais nous voulons le voir dans les Écritures. Écoutez, voilà. Grâce dans l'église, miracle dans l'église, bénédiction dans l'église, bref, dans l'église, à Salaka, dans l'église, au tu dois te donner à l'église matin, midi, soir, sans que tu aies le bénédiction de l'église. De deux, suivre les enseignements comme il se doit. Et des trois, il faut que les missions de l'eau, au personnel de la loi de cette école. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que Vous avez
Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait, le pasteur, c'était le temps des offrandes. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas les lingala. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur a appelé ceux qui voulaient donner les offrandes. Alors, le peuple sont venus devant. Il dit, vous qui êtes devant, vous devez connaître les trois principes de cette église. Quelle église? Son église, hein, là où il dirige. Vous devez connaître les trois principes de cette église. C'est quoi les trois principes? Tu dois te donner corps et âme dans cette église. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, tu dois aimer les enseignements donnés dans cette église. Troisième principe, tu dois avoir la main souple pour donner à Dieu. Pour donner à Dieu. Donc, les trois principes, si tu les respectes, même si ton enfant est malade, même si tu as une soeur ou maman est presque agonisant, comme on dit, si tu respectes les trois principes, la guérison va être communiquée. Mais si tu ne respectes pas les trois principes, c'est-à-dire, tu dois demeurer dans cette église corps et âme, tu dois recevoir l'enseignement, et tu dois avoir la main souple des offrandes, il faut commencer à donner comme tu n'as jamais donné. Si tu ne respectes pas ça, moi-même, je vais faire la lettre. Parce que je comprends que tu es en train de donner les offrandes comme dans l'église catholique. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Tu donnes les offrandes comme à l'église catholique. Alors, je vais te faire la lettre parce que je sais que l'église catholique va réagir par rapport à ça. Moi, je ne répète que c'est ce qu'il a dit. Moi, je vais te faire une lettre de transfert. Je vais te transférer dans l'église Saint-Dominique. Saint-Dominique, c'est de l'église catholique. Comme ça, je vais dire à monsieur l'abbé, le prêtre, monsieur le prêtre, je te remets ton adepte. Donc, c'est lui qui était chez nous, mais il s'est trompé d'endroit. Normalement, il devait être chez vous. En tout cas, recevez-le avec beaucoup d'amour, parce que c'est votre enfant qui était perdu et il est rentré chez vous, mais il n'est pas de nous. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les trois principes. Est-ce que c'est moi qui ai dit à ces messieurs de dire des choses comme ça? Alors que quand tu vas dans leurs églises, il y a du monde terrible. Ce sont des églises de pharisiens qui prêchent de fausseté. Maintenant, quand nous, on prend ces choses, on dit au peuple de faire attention. N'allez pas là-bas. S'il y a quelqu'un de ta famille qui est là-bas, il faut lui dire de sortir. Est-ce que nous sommes en train de faire du mal? Nous sommes en train d'aider le peuple de Dieu devant de lourds ravisseurs comme des pasteurs comme ça. Maintenant, il y a d'autres qui n'aiment pas la procédure que nous sommes en train de faire. Nous disons qu'une offrande forcée ne peut pas te bénir, bien-aimé. On ne force pas l'offrande. Non, tu ne peux pas forcer l'offrande. Remarquez, je vais prendre une écriture. C'est une écriture que beaucoup de pasteurs n'aiment pas. Malheureusement, mais nous, c'est cette écriture qui nous soutient et qui nous bénit, je vous dis, qui nous bénit terriblement. Ça va? Je vais prendre cette écriture. Je suis dans le livre. Je suis dans le livre, je vais le prendre rapidement. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 9, oui. 2 Corinthiens chapitre 9. Je commence à partir du verset 5. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 5 et je descends. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter le frère à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Parce que forcer les gens, ça devient un acte d'avarice. C'est-à-dire, les gens n'étaient pas préparés, mais toi, tu veux leur soutirer de l'argent. Ça devient de l'avarice.
Il faut que la personne se prépare à donner Dieu. Vous voyez? À donner, pardon, à donner à Dieu. Le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu, je ne sais pas si de bien-aimés lisent la Bible, ou soit vous ne voulez pas ces versets, parce que nous, nous utilisons ces versets et nous sommes bénis. Tous nos bien-aimés qui utilisent ces versets sont bénis. Au lieu d'être dans des milieux comme de ce pasteur, qui exige le peuple les trois principes, sinon tu seras au fait chassé de l'église et on va t'envoyer à une église catholique. Est-ce que vous voyez ça? On continue. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Dieu aime celui qui donne avec joie. Comment je peux donner avec joie alors que tu m'as forcé? Ça sera de la contrainte. Il faut que je donne avec joie. Il ne faut pas me forcer à donner. Je dois comprendre l'enseignement, oui. Mais en ce qui concerne le donner, je dois donner avec joie, avec l'enseignement que j'ai compris. Tu ne peux pas me forcer. Soit disant, je suis dans l'église, voilà les principes, sinon tu sors. Comment il peut prêcher comme ça? Nous disons, c'est vraiment taper à côté. Vous voyez? Et malheureusement, dans ces églises-là, il y a du monde qui sont là-bas. Ça, c'est grave. Donc, nous disons qu'on ne peut pas forcer le peuple des dieux à donner. Il faut laisser le peuple des dieux qui ont déjà compris l'enseignement, qu'ils donnent avec joie, avec leur cœur. C'est comme ça que Dieu va le bénir. Même toi aussi, tu seras béni. Il ne faut pas forcer les gens. Ce n'est pas bon de forcer les gens à donner. Qui veut donner 500? Voilà, les enveloppes sont ici. Il reste 3 enveloppes. Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi. De la même manière que tu te lèves, c'est de la même manière que tes bénédictions aussi s'élèvent. Ça, c'est de l'escroquerie. Tu es en train de mentir. Pourquoi tu mens au nom de Jésus? Si la personne a besoin de donner, la personne te donnera. Une personne qui a compris l'enseignement ne viendra pas pour que tu puisses le forcer à te donner. La personne te donnera parce que la personne a compris que Dieu me bénit parce que je participe dans l'œuvre du Seigneur. Donc il n'y a pas à donner, soi-disant, c'est comment. Et en plus, remarquez ça, c'était une promesse dans cette écriture. Le peuple ont promis qu'ils vont donner à Dieu. Alors Paul revient par rapport à la promesse. On a entendu des gens dire, ah, l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre cette écriture, que la femme ne prêche pas ça. Mais cette écriture est donnée ici. Ça, tu l'utilises. Alors que c'est l'église de Corinthe. Pourquoi tu prends ça? Tu préfères donner. Pour les donner, ça, tu prends. Mais la femme ne prêche pas, ça, tu ne prends pas. Tu vois? Tu dis, non, il y avait des désordres. Mais pour l'argent ici, il y avait aussi des désordres, non? Pourquoi tu préfères seulement l'argent? Mais quand on dit que la femme ne prêche pas dans Corinthe, tu dis non, c'est parce que dans Corinthe, il y avait des problèmes. Mais pour l'argent ici, tu dis, bien aimé, venez donner. Regarde cette église de Corinthe. Ils donnaient, ils ont promis à Dieu. Venez donner comme l'église de Corinthe. Donc, l'église de Corinthe est modèle pour l'argent. Mais pour que la femme ne prêche pas là, l'église de Corinthe n'est pas modèle. Pour les parler en langue, par le micro, parler en langue criée, sans interprétation, ça, tu as pris ça ici, non? Tu as pris ça ici, dans l'église de Corinthe. Il n'y a pas d'interprète dans l'église, mais tu es en train de parler en langue dans le micro. Mais quand on dit que la femme ne prêche pas, tu dis non, 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 non. Il y avait des problèmes. Comme il y avait des problèmes, cette écriture-là, on ne prend pas.
Quand on dit il faut mettre le foulard, non. Il y avait des problèmes, c'était pour les... Donc tu es en train de choisir quoi. Hein, l'agneau, tu choisis le morceau. Ah, là je prends pas. Donc on comprend que vous n'êtes pas de notre ensemble. Voilà. Alors deuxième... Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.